Bon, dites-moi, pourquoi vous vouliez me voir? Mais c'est vous qui nous avez demandé de venir. Non, c'est pas vrai. Je m'en serais rendu compte si ma bouche avait dit ça. Oh, on réglera ça face à face tout à l'heure. Ou si tu préfères, je te refais le portrait tout de suite. J'espérais qu'il allait admettre avoir volé la morphine de mon ambulance. Je vous ai déjà dit que c'était pas moi. C'est ce foutu cheval qui parle qui a fait le coup. On s'en va. L'ours a encore une moitié de patte à raser. Tu crois quand même pas que tu vas porter une robe dans cet état? Sid, essaie de te rappeler ce que tu voulais nous dire. On va se tirer d'ici avec ça. Des haricots que j'ai achetés à une vieille bohémienne. Elle m'a dit qu'ils étaient magiques. Je t'avais dit qu'il avait pris la morphine. Ce type est tellement stupide qu'à côté de lui, tu es comme moi, mais en plus laid, en plus stupide, en plus nul avec les filles. Puceau! Haricots magiques, mes fesses! Je t'avais pourtant dit de ne pas faire confiance à la bohémienne, mais est-ce que tu m'as écouté? Non! Une hallucination effrontée! Cerveau, tu m'avais dit que ça n'arriverait plus! Comment dites-le-moi, tomber plus bas? La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit! 2000 mètres, tout en bas! Jusqu'au fond, c'est profond! Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège! Ah, Crash Canyon! Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne! Crash Canyon! Vu la direction du vent, il faut marcher en crabe. Ça réduira la traînée et augmentera notre vitesse. Reste à savoir quel type de crabe. Un Bernard l'ermite ou plutôt un crabe des sables. Cours, dépêche-toi! On perd du temps avec tes raisonnements d'intello! Tu as raison, mais si j'ai raison, ce ne sera plus une simple hypothèse, ce sera un fait! Tu n'es qu'un bon à rien! Franchi la ligne d'arrivée! Et maintenant, il nous reste à franchir les limites du bon goût. Santa Mojita, je t'en prie, couvre les yeux de ces enfants innocents. Médaille d'argent! Laisse-moi partager l'info passionnante avec toi. Dans une course à l'électricité, l'or n'aurait pas la moindre chance face à l'argent. L'argent étant un bon conducteur. Norman, je voulais gagner! Et on l'aurait gagné si on était parti au top départ, au lieu de parler de Bernard l'ermite. Je réfléchis à tout, je n'y peux rien. Je suis quelqu'un de très organisé. Réfléchir, organiser, tu parles comme un loser. Arrête! Pour réussir, il faut prendre les choses en main. Action, réaction. Allez, chérie, tu vas y arriver. Action, réaction. Action, réaction. Et vous, c'est déjà une plaie de venir à la banque, alors ne faites pas perdre mon temps. Action, réaction. D'accord, ta méthode est plus efficace dans certains cas, mais je suis sûr que si on avait marché en crabe, regarde, mon idée fait son chemin. Action, réaction. Vous trouvez cela acceptable? C'est médiocre. La médiocrité n'est pas acceptable. Je vous ai demandé de me couper un coin. Ce morceau de gâteau ressemble-t-il à un coin? Je m'en contrefous, soldat. La seule paire d'yeux qui compte ici, c'est la mienne. Hé hé, tu connais le point commun entre ton téléphone, ton cerveau et Vernon? Ils sont tous hors service. Oui, je sais que j'ai pas de réseau. Mais mes mains, elles ne le savent pas. J'ai pas le courage de leur dire la vérité. Oh, je donnerais n'importe quoi pour un SMS. Oh, n'importe quoi? Si tu veux qu'un jour j'arrive à te pardonner, arrange-toi pour mettre fin à ton existence. On n'aurait qu'à dire que c'est la faute des loups. C'est admirable que tu y aies tant réfléchi, mais malgré tout, il n'est pas question qu'on tue ton frère. Désolé chérie, mais tu ne peux pas y aller. J'ai bouché les toilettes. Désolé, je les réparerai tout à l'heure. Dégueu. Mais enfin, ce n'est pas dégueu, Roxy. Pour ton père, réparer les toilettes, c'est une façon de nous prouver qu'il nous aime. Doublement dégueu. C'est rien, je vais faire des mots croisés. C'est l'idéal pour contrer les fonctions physiologiques. Et record de dégueu. Pas
Jake pourrait se noyer. On ferait passer ça pour un suicide. Oh, oh, il était déprimé parce que c'est un minus. Non, pas de loup, pas de noyade et pas de morlande par empoisonné. Ah, qu'est-ce qu'il fiche ici, ce singe? Colton le traitait comme un moins que rien. Je me suis dit qu'il avait besoin d'air. Les astronautes ont besoin d'espace. Tu l'as pris avec toi comme un kidnappeur? Non, les kidnappeurs laissent une demande de rançon. J'ai rien laissé. Norman, tu l'as kidnappé. Libéré est un meilleur mot. Pardon? Enfin, tu n'as pas honte. Non, je parlais à notre nouveau colocataire. Quatre horizontales, c'est libéré. Pourquoi tu as volé ce singe? C'est le genre de choses qu'on fait quand on est bizuté. Tu n'étais pas là. Colton critique ses moindres faits et gestes. Il se fiche pas mal de ce que Lippy ressent. Pour ne pas blesser son amour-propre, j'ai renversé de l'eau sur son entrejambe et il a été obligé d'aller se changer. Norman, je sais que tu as bon cœur. Mais voilà, chaque relation de couple a ses propres dysfonctionnements qu'une personne extérieure serait bien incapable de comprendre. Et vous avez vu qu'il y a un singe sur les chiottes? Oui, Vernon, on a vu. La Kodak, je vais sur votre lit. Mon but, ce n'est pas de me mêler des problèmes des autres, je veux juste aider Lippy. On peut le garder, juste pour une nuit, s'il te plaît. D'accord, une nuit, mais tu as intérêt à le surveiller. Je ne veux pas de singerie. Un singe qui fait des singeries, c'est à se tordre. Bien joué, cousine. Il faut se débarrasser de lui. Hé, cholestérol, il te faut un GPS pour trouver son cœur. Dépêche! Votre attention, civil. Le soldat Lippy n'est plus à son poste et je considère sa disparition comme une menace directe à la sécurité nationale. Pauvre petit Lippy, qui a bien pu l'enlever? Qui a bien pu l'enlever? C'est exactement ce que je m'attendrais à entendre de la bouche de son kidnappeur. J'ai rien fait, moi. Vous niez. Très bien, je suis fixé. Vous n'êtes pas d'ici. Vous l'avez enlevé. Vous travaillez pour les Russes, c'est ça? Ou pour les Iraniens? Ou pour les Coréens? Hey, je suis allé en Corée un jour. Les garçons... Lesquels de vous deux tire son missile en premier? Vous croyez que je n'ai pas remarqué comment vous regardez, Lippy? Vous vous imaginez en train de le vider pour le transformer en sombre marionnette? Oh oui, c'est tout à fait ça, vous m'avez eu. Je n'ai que ça à faire de mes journées. Imaginez de quoi vous auriez l'air si je vous transformais en marionnette. Moi, marionnette, astronaute. Moi, marionnette, femme facile. À mon tour. Vous savez ce qu'il va se passer maintenant. Considérez que vous êtes tous des suspects potentiels. Il ne s'adressait pas à toi, l'ours. Tu n'as d'intérêt pour personne. Même ton désespoir est barbant. Et là, je l'ai carrément dit, LSTOMB. Ça existe, les solutions contre la laideur, fais-toi refaire le portrait. MDR, émoticône, clin d'œil, enfin, tu vois quoi. Non, j'aimerais bien pouvoir voir. J'aimerais bien, moi, qu'on me refasse le portrait. Bonjour, mesdemoiselles. Fais gaffe à lui, ça sent l'arnaque, ce petit sourire. Arnaquer ma sœur? Non, en fait, je voulais vous parler d'un truc, mais je pense pas que ça vous intéressera, parce que c'est pour les ados populaires. Attends, moi je suis populaire. Tu peux demander à qui tu veux, tout le monde dans le canyon sait qui je suis. Alors, c'est quoi? Ok, j'ai rien à y perdre. Mieux que le SMS. Extraterrestre? Oui, c'est extraordinaire. Ça s'appelle un SMS Jake et ça coûte qu'un ti par message. Oh, j'en ai un moi aussi. J'espère que c'est de la part d'un garçon. Norman, regarde-moi cet animal. J'avais pourtant dit pas de singerie. Encore un jeu de mots. Là, je suis admiratif. Il traverse une période difficile. Il a simplement besoin de s'exprimer. C'est le processus de guérison. S'il sort pas tout de suite de mes sous-vêtements, sa guérison va être beaucoup plus longue que prévu. Je parie que les autres singes sont très fragiles. Ah!
des deux lunes de Mars. Je savais que mes tentatives héroïques de recherche seraient fructueuses. Je vous retrouve à temps. Je vois. Apparemment, vous avez été torturé par un pervers. Plus les gens ont l'air ordinaires, plus ils sont sadiques. Je vous enlève ça. Et j'y suis presque. Eh bien, tout ça pour un bonnet. Ah. Pourquoi tu lui donnes pas un coup de main? Non, c'est vrai. Puceau. C'est bon, il peut garder le bas. Vous n'emmènerez Lippy nulle part. Oh, que si! Il vient avec moi, et pas nulle part. Avant, vous promettez de le traiter avec le respect auquel il a droit. Le respect? Envers un singe et un vulgaire soldat? Sans commune mesure avec l'amiral Chuckles. Lippy, reste ici. Soldat Lippy, alors quelle est votre opinion? Parfait, gardez-le. Un singe rebelle et travesti est pour moi ce que les femmes astronautes sont à l'espace. Une aberration. Où est donc passé mon raisonnable et réfléchi, Marie? Je ne fais que suivre tes directives. Un bon coup d'action-réaction. Je ne vois qu'un seul moyen de recoller les morceaux. Les zigouiller et faire croire à un meurtre-suicide? Non. Thérapie de couple. Ah, je vois. Oh, je voulais te dire, j'ai fait une tache de graisse sur tes draps. Ça a la forme d'une girafe. Je préfère te prévenir. Messieurs, vous vous adressez à la bonne personne. Je m'y connais bien en relation de couple. Je connais plus d'hommes qu'un beau gosse en prison. Pour commencer, Lippy, sers-toi de cette marionnette pour montrer à Colton ce que tu ressens quand il te traite comme un moins que rien. Je rêve, il faut sortir les violons. Lippy ne sait ni parler, ni danser, ni écrire des poèmes. Comment peut-il exprimer sa douleur? C'est mon rôle de commandant de former des hommes avec nos méthodes de sarcasme et de dénigrement. Et si je ne détruis pas son amour propre, il n'exploitera jamais son potentiel à fond. Je le traite comme un chien pour son bien. J'imagine que ça doit être frustrant de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas les choses comme elles devraient être faites. Et ça doit vous rendre dingue que Lippy fasse la moindre petite chose de la façon la plus longue et compliquée qui soit. Ce n'est pas ce que... Lippy pourrait réfléchir plus vite s'il ne passait pas son temps à empêcher Colton de se conduire comme un échappé de l'asile. C'était cocasse. Peut-être que Colton serait beaucoup moins autoritaire s'il ne travaillait pas avec un orang ou tant incompétent. Raté, Lippy est un cercopithécoïde. Tout le monde sait ça. Oh, et qui t'a nommé réincarnation de Diane Fossey? Diane Fossey? On parle toujours des problèmes de Lippy et Colton. Bien sûr! Suis-moi, Lippy! C'était naïf de croire que Colton pouvait changer. Suivez-moi, Colton! Cherchons des gens qui seront d'accord avec nous. Suivant. Ce sale traître a eu une aventure. Encore cette histoire. Admettons que je me trompe, je peux savoir qui est ce type. Pour la dernière fois, on faisait une pause. Il faut que t'envoies ça à Royce, genre dans la seconde. Ça fera deux tis. Deux? Avant, c'était un. Toi, t'as pas bien lu le contrat. Je peux changer les tarifs quand je veux. C'est là tout l'avantage d'être un monopole. C'est carrément de l'arnaque. T'es encore pire que les cupides barons voleurs du 19e siècle. Quoi? J'écoute en cours d'économie, c'est plus ou moins des cours de shopping. Reviens me voir quand t'auras deux tis. Mais si t'en as trois, je prends aussi. J'ai une super idée! Si Sheila pense que je vais m'écraser et capituler comme d'habitude, alors là, elle se met le doigt dans l'œil. Si Norman pense qu'il ne va pas s'écraser et capituler comme d'habitude, alors là, il se met le doigt dans l'œil. Je crois décerner, grâce à mon entraînement à la perception, une certaine tension maritale. Mais quel est le rapport avec Lippy et moi? Ça ne se voit pas! Que diraient vos supérieurs s'ils savaient que vous avez subi une mutinerie et que vous n'avez pas puni le singe coupable? Je n'en sais rien. Il n'est fait aucune mention de singe rebelle dans le guide des astronautes. Et regardez où on en est aujourd'hui. Hé ! Qu'est-ce que tu fiches ? Comme tu as voulu augmenter tes tarifs, j'ai décidé de contre-attaquer, comme dans le film où il y a une fille qui contre-attaque un garçon. Il m'a suffi de proposer un meilleur salaire à ton pigeon. En pizza. Bon, si tu permets, j'ai une tonne de clients qui attendent d'être servis. Traître de pigeon ! Tu oses lâcher ton associé pour un vulgaire morceau de pizza ? C'est du soda ! D'accord, je reconnais que c'est un peu mieux. Ah ouais, des beignets. Bien joué, mais je récupère le pigeon. Hot dog! Pas de soucis. Un hot dog, c'est bien, mais j'ai mieux. De la glace au chocolat. Ça te ferait plaisir, une tablette de chocolat?
Bon, fini de jouer. Si tu bosses pour moi, tu auras de la crème brûlée. Tu as de la crème brûlée? J'ai même un truc encore plus délicieux, au cas où t'en aurais eu toi aussi. Un message de Frida pour Bjorn. Elle veut qu'il sache qu'elle n'est pas enceinte. Du coup, je lui ai fait payer double. Vol, pigeon! Ben quoi? Ça va pas le ramener de gaspiller un bon dessert. Le dîner est servi. Toi alors? Non! Colton, réveillez-vous! J'ai trouvé plein d'autres raisons de faire des reproches à Lippy. Lippy! Colton! Tu cherches quelqu'un? Non. Et toi? Non. Et toi? Oh, bien joué! C'est futile. Je te remercie. J'accepte ton compliment et je m'en vais. Faut essayer de voir le bon côté des choses. Tout le monde n'a pas la chance d'organiser des funérailles vikings. T'étais un bon employé, obéissant, et tu coûtais pas grand-chose. Je crois que c'est ça qui va me manquer le plus chez toi. Merci de n'avoir jamais lâché de fiente sur moi. Tu étais un véritable ami. Bon vol jusqu'au paradis, pigeon. Lippy, je suis là! Non, viens vers moi! Aucun sens de l'orientation. Oui, c'est ça! Va chercher de l'aide! Bon petit singe! Bon petit singe! Colton! Je vous promets que je ne vous ferai pas de mal! Je veux juste discuter! Soldat, les poils de cette patte ne sont pas aux normes. Ils sont trop longs de 5 mm. Mais votre réactivité nous a sauvé la vie. Pour cette raison, je vous décore de la médaille du courage. Allez, suivez-moi. Nous rentrons chez nous. Je vais nous faire des macaronis. Parfait, on mangera des bananes au gin. D'accord, je vous laisse porter la culotte. Mais je vous préviens, aucun mot de cet arrangement contre nature ne sera cité dans mon rapport. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je profite de la vue. C'est à se tordre! Ah, quel beau couple d'humoristes! Un vrai bonheur! Ah, tu ne peux pas bouger. Attends, je vais te donner un coup de main. Sheila, recule! Le tronc ne va pas supporter notre poids! Norman, laisse-moi t'aider. On dira que c'est ma nouvelle devise. Je ne veux pas mourir en pleine dispute. Moi non plus. Oh chérie, je suis désolée d'être tout le temps si autoritaire. Je suis désolée de réfléchir à tout le temps. C'est pas une action-réaction de mère nature? Je n'en sais rien. J'ai souvent l'impression de suivre la longue, tortueuse ligne qu'elle a tracée pour nous. Et pour rien au monde, je ne voudrais que ça change. Thank you.
Comment ça, je suis viré? Non, c'est toi qui es bourré.